Il y a Shark qui est arrivé, et là, c'est la teuf. Le gros bourrin. Oh là 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 là. On peut se calmer. Il a même pas pris le temps de faire pipi, lui. Oui, t'es très content d'arriver, mais faut prendre le temps de temps en temps. Lui, il est déjà parti se rafraîchir, c'est très bien. Je préfère qu'il fasse ça plutôt que d'aboyer. Toscane, t'as toujours pas mis plus d'une patte dans la... Ah bah, à chaque fois, elle le fait pas exprès, la peau. Ça va, Toscane? Ah bah tiens, il y avait longtemps. Ah, ça y est, il s'est réveillé, lui. Super. Voilà, c'est pas mal quand tu te tais, aussi. Je revis. Une petite journée calme. Ah mais pas de chisté, parce qu'on est jeudi. Hein? Ouais, et que jeudi, faut se taire. Je suis bientôt à la cigale, hein. Attention, il y en a qui ont fait des one-man shows pour moins que ça. Foxy, pour une fois que Patch la ferme, ça serait bien que tu prennes pas le relais. Eh mais c'est-à-dire que sinon c'est calme quand même. Oh, la barbe! Mais c'est pas possible. Shark, va dans la piscine. Tu l'as en fait. Elle veut jouer avec son jouet, c'est-à-dire Foxy. Lui, j'y crois pas qu'il a toujours pas aboyé depuis ce matin. Tu l'as? Non, elle l'a pas. Mais va au moins dans la piscine, tu l'as. T'es un labrador, hein. Alors déjà, outre le fait que ça te rafraîchirait, faire de l'exercice, c'est-à-dire de la nage, environ 15 km par jour, ça serait bien. Mais oui, parce que là, on a un petit peu trop, là. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc hop, piscine, tout de suite. Gaga, elle y va. Oh, allez, tu l'as. Oh, bravo! On est devenu un vrai labrador. Incroyable. Bah, reste comme ça, 2-3 jours. Fais un peu de longe-côte, t'as raison. Oh là là, ça aboie. Qu'est-ce qu'il y a? On est pressé de sortir pour son premier séjour en pension. Oh, toi. Et la petite Rika? Bah, très bien aussi. Ça va aller assez vite, de toute façon, pour les adapter. Oh là, on a de l'énergie. Parce qu'on n'en avait pas assez avec Foxy. Tiens, Raja. Voilà. Bon, bah, ça a l'air d'aller. De toute façon, voilà, on est très contente. Valco, je crois que Lola te déteste. Lola aime pas les mômes. Elle en a déjà eu, elle a pas envie d'en avoir. Bon, allez, on y va, de toute façon. Hop là, c'est parti. Voilà, on va regarder ce qui se passe tranquillement. Nash! Oui, Nash, ça fait 5 minutes que t'es sorti, t'es toujours propre. Ça, je comprends pas, par contre. Il y a un problème, t'es malade. Faut t'emmener à l'hôpital. Oui, Raja, oui, je sais. Il y a un hectare de terrain, tu sais, t'es pas obligé de rester à côté de moi. Bon, tout ce monde-là, ça a l'air de bien aller. Regardez, la mafia des Huskies est revenue. Et Noon, elle est déjà en train de recruter. T'as tout à fait les couleurs là pour faire partie de notre clan. Allez, viens avec nous. On va reprendre le contrôle de la pension. Là, ça patauge bien, hein? Eh oui. Voilà. Il y a un abat-jour aussi qui est en pension. Ava. Ava, elle est en convalescence. Il faut pas qu'elle se gratte, donc elle a une collerette. Ça ne l'empêche pas d'aboyer, ça ne l'empêche pas de courir, ça ne l'empêche pas d'énerver les autres chiens, mais au moins, on est obligé de la mettre dans un petit parc pour pas qu'elle se blesse. Voilà. La petite groseille essaye de survivre. Alors pour elle, on est dans la finale de Koh-Lanta, hein. Hein, ma groseille? Bah oui, t'es seule au monde. Mais ça va, elle reste à côté de moi, y a pas de souci. Fonzie, par contre, c'est pas possible, là, hein. Regarde-moi ça. Fonzie, on dirait que t'as pris feu, Fonzie. Hein? Oui, on dirait un grand brûlé. Ah ouais, génial. Super. Non, mais là, faut te déplumer un peu, hein. Rika, tu veux venir me voir, ma Rika? Petite chouchoute. Oh, mais toi, t'es toute petite, hein, mignonne. Oh, mais toi, Pétrus. Oui, je sais, mon Pétrus. Pétrus, il va être la vedette tout le temps. Ah, on commence par un petit bain. Un petit bain dans le pédiluve. Tiens donc, c'est très bien. C'est pas comme s'il y avait une petite piscine à côté, hein. Voilà. C'est vrai qu'elle est loin, la piscine, en fait. Faut prendre la voiture, tout ça, c'est un peu chiant. Pétrus, pourquoi t'y vas pas? Pétrus, il fait des expériences. Allez, Pétrus! Ouais! Hop là! Et ben voilà. C'est bien parce que le niveau d'eau de la piscine augmente naturellement. Pour une fois, j'ai pas besoin de rajouter d'eau. Mais à un moment, je vais peut-être devoir en retirer. C'est la première fois que ça nous fait ça. Bon, on va en profiter maintenant pour sortir l'abat-jour. Oui. Hein? C'est bien, tu t'es bien amusé avec ton petit panier. Viens ici. Viens ici, là! La lumière! C'est bien la première fois que t'as une lumière, toi. Hein. Viens ici. Ah, va, viens là, je vais te la retirer, ta machine, là. Au moins pour la promenade. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Viens là. Ah, va. Viens, va. Stop. Arrête. Ah, va. Stop. Qu'est-ce qui m'énerve? Ah, va, stop. Je vais te la retirer 2 secondes. Oui, voilà, c'est très bien.
Oh non. Oh. Mais arrête. Mais t'es... Mais... Ah puis alors, en ce moment, on peut pas tomber. L'herbe fait 1m50. Arrête, sérieusement. Mais... Oh là là. À 20. Stop. Qu'est-ce qu'il y a de con? Voilà, stop. On arrête. Oh, mais arrête. Oh, mais c'est pas possible, ça. Stop. Voilà. Regarde. On défait ça. Voilà. C'est quand même un peu mieux. Hein? Ah ouais, j'ai vraiment bien fait de mettre 3 heures à ce qu'on me l'enlève. Ça valait le coup. Are you listening? Damn. Yeah.